Alors, mon grand-père, Aimé Mag, est né à Hazebrouck en 1906 et il a été rapatrié dans le sud de la France, exactement dans les Cévennes, lors de la Première Guerre mondiale, quand son père a disparu dans le bombardement d'un train. Et avant d'arriver dans les Cévennes, il m'a raconté qu'il a été transporté en Hollande, en Belgique, en Suisse, grâce à la Croix-Rouge. Et il en a gardé évidemment pas un traumatisme parce que chez mon grand-père, tout ce qui était négatif devait être transformé en positif. Mais il m'a vraiment expliqué qu'il avait eu atrocement faim. Et quand il est arrivé dans les Cévennes, il a été accueilli avec sa mère et donc ses frères et sœurs par un paysan qui s'était proposé auprès de la Croix-Rouge pour accueillir des orphelins. Il a été élevé là. Donc il a à peu près 7 ans quand il part de Hazebrouck. Et là, il est. Un peu plus, il a 9 ans. Et là, il est élevé dans cette famille, mais pas du tout choyé, même si le paysan était absolument délicieux. Il s'appelait Milou Berbaguet. Et surtout, ce qui a beaucoup marqué mon grand-père, c'est de se retrouver dans ce pays protestant. Puisque c'est vraiment le coin des Cévennes le plus protestant. Et je pense que ça lui a vraiment ouvert l'esprit parce qu'il est parti de Hazebrouck avec ce pays très plat, très noir et très catholique et s'est retrouvé dans les Cévennes, verdoyant, de l'eau qui coule partout, le soleil et les protestants. Je crois qu'au lieu de dire ça est mieux que ça, il est parti vraiment, et ça j'en ai beaucoup parlé avec lui, de dire tout doit exister, il n'y a pas un seul chemin qui soit juste. Et il n'a jamais préféré le sud au nord. Il a toujours gardé un attachement très profond pour ce pays du nord. Alors il fait ses études à Nîmes, puisqu'il est pupille de la nation, il est l'aîné des frères et sœurs, donc il est pris en charge par l'État. Et il fait ses études à Nîmes en tant que dessinateur, au départ dessinateur industriel et après plus dessinateur lithographe. De là, alors déjà à ce moment-là, il économise le moindre sou, il travaille, il fait plein de petits boulots, livreur, emballeur, garde des boutiques, il fait tout ce qu'il peut, il travaille la nuit, il fait tout ce qu'il peut faire, il a une grande, grande énergie, une très, très bonne santé, et il économise le moindre centime pour s'acheter des revues de poésie, pour s'acheter des revues artistiques, ce qui est déjà incroyable, comme le Minotaure, qui certainement devait avoir quelques abonnés dans cette région, il devait sans doute se compter sur les doigts d'une main. Et toujours en tant que pupille de la nation, il est placé dans une imprimerie à Cannes. Dans une imprimerie pour exercer son métier de graveur lithographe. Là, il rencontre ma grand-mère, qui était cannoise, très jeune, elle avait 16 ans quand ils se rencontrent, et il y a tout de suite je ne sais pas si c'est un coup de foudre, il y a tout de suite une passion, c'est, je crois, encore plus que le coup de foudre. Il se marie, ma grand-mère a tout juste 18 ans, donc elle a obtenu de se marier avant ses 21 ans, et ensemble, ils ouvrent une petite boutique d'imprimerie que mon grand-père appelle Arte. À ce moment-là, il a fondé, créé un petit bureau aujourd'hui on dirait de publicité et design. Il faisait des papiers à lettres, il faisait des en-têtes pour des menus, il faisait le petit journal pour les gendarmes du coin, le petit journal aussi de football. Donc il utilise son imprimerie, mais pas seulement pour imprimer, mais également pour créer les logos, avec un très très beau style d'ailleurs. C'est toujours une typographie magnifique. On voit qu'il a vraiment un sens extraordinaire du trait, de l'esthétisme, du design. À ce moment-là, cette boutique Arte, qui a été financée plus ou moins par la famille de ma grand-mère, commence à avoir une petite notoriété technique sur les artistes locaux. Beaucoup d'artistes, évidemment, vivent
du côté de Cannes, Mougins, Antibes, Nice bien sûr. Et Bonnard s'adresse à lui, Pierre Bonnard, qui habite au Cannet, s'adresse à lui pour faire des lithographies, pas du tout des grandes lithographies artistiques, mais pour un menu pour le Palm Beach. Mon grand-père disait que la différence entre un bon et un mauvais lithographe, elle ne se voit pas automatiquement sur le papier, parce que si vous imprimez, rajoutez des couleurs, vous arriverez toujours au résultat final. Mais un bon lithographe va faire une lithographie avec peut-être 5 passages couleurs, un mauvais va le faire avec 12 ou 13 ou 14 passages couleurs. Ce qui fait que le papier se sature et qu'il n'y a pas cette légèreté, cette transparence de la lithographie. Alors Bonnard trouve que Aimé, mon grand-père, a vraiment un sens de la couleur et en particulier pour la couleur de la chair, de la peau des femmes. C'est formidable d'ailleurs de voir dans les tableaux de Bonnard, quand on s'approche d'un nu, si on le regarde de très très près, il y a des dizaines de couleurs et des couleurs qu'on n'attend pas sur la peau, sur la chair. Et pourtant, quand on s'éloigne ou quand on regarde ces peintures, on a vraiment la vibration de la chair. Il a réussi à faire que la chair soit vivante. Et Bonnard trouve que mon grand-père arrive à restituer ça en lithographie. Donc c'est d'abord une amitié d'intérêt technique qui lie Pierre Bonnard et Aimé Mag. Et puis les années passent et la Seconde Guerre mondiale arrive. Mon grand-père est mobilisé et pendant ce temps-là, ma grand-mère, qui est une femme très 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 dynamique, un couple étonnant d'ailleurs, parce que lui, le vrai homme du Nord, très grand, les yeux mais d'un bleu magique, très belles dents, des cheveux somptueux, et ma grand-mère, toute petite, la peau très très blanche comme les gens vraiment les provençaux très méditerranéens, la peau très blanche, les yeux presque noirs, paraît-il des dents proches des perles. Donc vraiment, pas du tout un couple assorti. Si on les regardait côte à côte, vraiment, c'était un couple physiquement totalement désassorti. Et ma grand-mère, très énergique, quoi, les deux avaient une énergie à revendre. Et quand mon grand-père est mobilisé, évidemment, les presses ne peuvent plus tourner. Ils ont deux presses dans l'arrière-boutique de Arte. Et évidemment, son travail s'arrête tout de suite. Et à ce moment-là, une de ses amies lui propose de mettre dans sa devanture des peintures d'artistes locaux. Elle en a quelques-uns chez elle, qu'elle veut peut-être vendre. Voilà. Et c'est comme ça exactement que commence l'histoire, on va dire, de marchand de tableaux de mes grands-parents. Mon grand-père, d'ailleurs, a paraît-il, hurlé quand il a vu ça en disant: je ne serai jamais marchand de tableaux, je serai imprimeur, éditeur, je resterai dans ma passion. Ma grand-mère a su lui faire comprendre que elle, il fallait bien qu'elle vive, elle avait deux enfants à élever et que, évidemment, elle avait vendu quelques tableaux avec une marge assez intéressante, donc elle lui a fait vite comprendre que quoi qu'il dise, elle continuera. Et avec son caractère très, très décidé et qui osait tout, elle va un jour chez Bonnard en lui disant, avec une petite charrette à bras, elle monte au Cannet, en lui disant, voilà, j'ai une boutique, le mot galerie était même pas envisageable, j'ai une boutique. Je vends très bien les peintres. Si vous me confiez des tableaux, je vous les vendrai à très bon prix. Alors ça, c'est à peu près en 43-44. Bonnard est déjà immensément connu. Et il s'amuse vraiment du toupet de cette jeune femme, parce que ma grand-mère est toute jeune encore. Et il reconnaît dans le regard pétillant de ma grand-mère, il lui demande si
Sa famille ne travaille pas dans une poissonnerie. Ma grand-mère lui dit non, absolument pas, non, non, pas du tout. Il dit, mais vous êtes sûre, enfant, vous n'étiez pas dans une poissonnerie ou sur le marché de Fortville. Et il lui montre un tableau, La Marchande d'oursins, où il y a un étal de poissons et une petite fille à côté. Et c'était effectivement ma grand-mère qui avait été gardée par une de ses tantes ou une de ses amies de ses tantes. Et Bonnard a reconnu le regard de ma grand-mère des années plus tard. Et bon, c'est en même temps le propre des peintres, c'est qu'ils ont un œil, un regard qui est accroché par beaucoup de choses. Et donc il confie malgré tout à ma grand-mère un ou deux tableaux à vendre. Il comprend qu'elle est l'épouse du lithographe qu'il aime tellement. Et l'histoire commence comme ça. Et là, mon grand-père, qui a quand même utilisé son imprimerie pour autre chose qu'imprimer des documents publicitaires, s'en est servi, bien sûr, pendant la guerre, pour imprimer des documents pour la résistance. Mon grand-père avait toujours ses papiers en tant qu'habitant de Hazebrouck, en tout cas natif de Hazebrouck, ce qui fait qu'il avait un laissez-passer entre la zone occupée et la zone libre, dont il s'est beaucoup servi pour aller à Paris, pour ramener des œuvres de certains collectionneurs qui lui disaient aller chercher ça dans l'appartement de ma maîtresse ou aller chercher ça dans mon hôtel particulier. Et il a, je crois, rendu pas mal de services. Il y a une anecdote fabuleuse. Effectivement, Cannes, pendant la guerre, était très, très libre et même très joyeuse. Les gens faisaient énormément la fête, il y avait des dîners partout. Alors, est-ce que c'était, comme souvent dans des drames, les derniers instants où on se dit profitons-en, ça ne va pas durer? Mais en tout cas, il y avait une grande activité à Cannes et beaucoup d'hommes riches s'étaient rapatriés dans le sud. À l'époque, quand on voit les films de Sacha Guitry, on comprend très facilement ça. Les grands industriels avaient en général un hôtel particulier à Paris, très classique, très bourgeois, avec femmes et enfants extrêmement classiques, et entretenaient, alors on les appelait les cocottes, les maîtresses, ce que l'on veut, des femmes beaucoup plus jeunes, souvent dans les arts, chanteuses, comédiennes, théâtreuses, comme on les appelait, cantatrices, bon. Et qui, elles, étant plus jeunes, avaient des très beaux appartements ou des très beaux hôtels particuliers, avec des œuvres beaucoup plus contemporaines. Il est certain que dans ces grands appartements bourgeois des années 30, on ne voyait pas vraiment ni de Cézanne, ni de Van Gogh, ni de Nino Modigliani ou quoi que ce soit. C'était inconcevable. Alors que chez les jeunes, elles avaient des tableaux beaucoup plus contemporains, d'un goût plus contemporain. Ce qui fait que beaucoup de ces collections n'ont pas été saisies pendant la guerre parce que, elles n'étaient pas officielles, évidemment. Personne ne savait. Quand on allait saisir un riche homme d'affaires, on allait à son adresse officielle. On ne soupçonnait pas qu'une maîtresse ait des trésors dans un appartement caché, on va dire. Et certains de ces collectionneurs ont demandé à mon grand-père d'aller les récupérer dans les appartements, leur donnant les clés, ayant une confiance totale en mon grand-père. Mon grand-père prenait tout simplement le train. Comme sur sa carte d'identité, il y avait marqué dessinateur lithographe, il prenait les tableaux, il les peignait à la gouache par-dessus, il signait mes mags, il s'est fait contrôler plusieurs fois dans le train avec ses tableaux. Et arrivé à Cannes, avec de l'eau, il enlevait la gouache et il vendait ses tableaux. Et ce qui fait que quand on a demandé à mon grand-père, quand moi je lui ai demandé, parce qu'il ne voulait pas beaucoup parler du passé, comment est-ce que la galerie, comment il a trouvé tous ces collectionneurs, comment la galerie est venue aussi vite après à Paris, galerie à succès, c'est que d'abord les gens à qui il avait soit sauvé les tableaux, restitué les tableaux, lui ont continué à être des collectionneurs et étaient extraordinairement reconnaissants, soit ceux pour qui il a vendu des tableaux et à qui il a donné l'argent, alors que beaucoup de gens, franchement, à cette époque, peut-être seraient partis avec les tableaux. Ont été d'une fidélité envers lui vraiment sans faille.
Et mon grand-père, comme ça, a noué des amitiés très fortes. Également, son imprimerie, il l'utilisait, comme je vous disais, pour imprimer des documents pour la résistance. Et il connaissait très bien Jean Moulin, dont je crois d'ailleurs il était extrêmement jaloux parce qu'il a toujours soupçonné qu'il y a eu une affaire entre ma grand-mère et Jean Moulin. Donc ça, c'était interdit de parler de Jean Moulin à la maison. Moulin a été arrêté. C'est Pierre Bonnard en particulier qui est venu prévenir mon grand-père que très probablement il allait être arrêté. Et Bonnard a trouvé à mon grand-père une maison dans l'arrière-pays pour quitter Cannes précipitamment. Et cette maison, c'était la maison voisine de celle de Matisse, à Vence, de la villa Le Rêve. Bonnard a évidemment présenté mon grand-père à Matisse, ma grand-mère à Matisse, et ils sont restés là-bas jusqu'à la fin de la guerre, protégés effectivement. Aujourd'hui, c'est une demi-heure en voiture. À l'époque, c'était vraiment l'arrière-pays, il y avait peu de communication. Matisse, pendant cette période, a fait beaucoup de portraits de ma grand-mère, dont certains d'ailleurs ont été photographiés, filmés pendant qu'il les réalisait. À la toute fin de la guerre, toujours avec l'aide de la résistance. Alors ça, c'est pas mon grand-père qui me l'a raconté, parce que lui, il ne voulait pas parler de cette période. C'est la secrétaire de Jean Moulin, Madame Dreyfus, que j'étais allée voir pour justement compléter mes informations quand je faisais un livre sur mon grand-père, et qui gardait vraiment une tendresse tout à fait particulière pour mon grand-père. Et d'ailleurs, dans une interview dans Paris Match, quand un journaliste lui dit « Avez-vous gardé des relations avec la résistance après-guerre ?», elle dit « Avec personne, sauf avec Aimé Mag ». Voilà, donc c'était vraiment... Mais je crois que c'était un homme qui était tellement sincère, tellement juste, tellement... C'était pas... Je ne veux surtout pas en faire un héros de la guerre, c'est pas ça. Mais en tout cas, il a été droit, il a été juste, il a été... voilà. Juste à la fin de la guerre, mon grand-père et Pierre Bonnard montent en voiture à Paris, vraiment derrière les convois américains qui ont débarqué à Toulon et à Saint-Tropez, et rejoignent Paris, notamment parce que Bonnard voulait rouvrir son atelier qu'il avait vraiment fermé avant-guerre, sans donner la clé à qui que ce soit et sans demander à qui que ce soit d'aller voir si ses tableaux étaient toujours là. Donc ils vont à Paris, ils recherchent également la fille de Matisse, Marguerite Matisse, qui avait sans doute été prise en charge par la Croix-Rouge parce que, en tant que communiste, elle avait été mis dans les trains de déportation. Alors je ne sais pas exactement si elle a été déportée ou si elle était restée à Paris. Enfin, il la retrouve, et pendant 2 mois, Pierre Bonnard et mon grand-père partagent une même chambre d'hôtel. Pendant ce temps-là, ils vont voir un petit peu dans quel état est le monde de l'art, et les grandes galeries ont fermé, d'abord parce que beaucoup étaient tenus par des Juifs, et donc évidemment, soit ont été déportés, soit ont quitté Paris. À ce moment-là, Bonnard vraiment convainc mon grand-père d'acheter une galerie à Paris. Mon grand-père n'a pas le moindre centime pour payer. Bonnard dit qu'il l'aidera quand il faudra payer. Et c'est comme ça que mon grand-père achète sa première galerie à Paris. Ils redescendent à Vence, donc Pierre Bonnard, Marguerite Matisse et mon grand-père, et la joie de Matisse qu'Aimé lui ait ramené sa fille, il lui dit « Aimé, je vous serai toujours redevable, je ne peux pas faire moins que de faire la première exposition de votre galerie ». Et c'est comme ça qu'en tout début 1946 s'ouvre la première Galerie Mag à Paris. Donc c'est vraiment tout ce qui jalonne mon grand-père, la vie de mon grand-père, ce sont des amitiés. Pas des copinages, c'est pas la même chose, des amitiés, parce qu'ils ont, entre les artistes ou les poètes ou mon grand-père ou les musiciens, les architectes, tout ce qui passionnait mon grand-père,
ils ont une vision commune et ils se disent c'est vraiment un accompagnement. Ensemble, on ira plus loin. Et voilà, et la galerie débute comme ça. Il n'y a même pas d'argent pour faire un catalogue, il n'y a pas d'argent pour faire des cadres, les dessins sont punaisés au mur, les dessins de Matisse sont punaisés au mur. De toute façon, même avec de l'argent, mon grand-père m'expliquait que trouver du papier, c'était pour trouver le papier pour faire l'invitation. Il a trouvé des rames à un endroit, quelques autres à un autre endroit. C'était vraiment, c'était au sortir de la guerre, c'est vraiment décembre 45, donc c'est tout sortir de la guerre. Et ensuite, mon grand-père part prendre un bateau à Rotterdam pour New York. Il prend le premier bateau de civil qui part pour New York. Et pourquoi ? Parce qu'il veut aller voir Marcel Duchamp pour lui qui était un lecteur de Genèse du Minotaure. Il est subjugué, passionné, en question permanente sur le surréalisme, tant sur le mouvement littéraire que sur le mouvement artistique. Et il part voir Marcel Duchamp à New York pour organiser avec André Breton la grande exposition qui lancera la Galerie Mag, qui s'appelle le surréalisme en 47 et qui fait la synthèse de tous les mouvements surréalistes, de toutes les expressions surréalistes. Alors ça a été une expo complètement dingue. Ma grand-mère était terrifiée par cette exposition. Il faut dire qu'il y avait un crucifix à l'envers, une femme nue avec un morceau de velours sur le sexe, avec un mot de Marcel Duchamp avec marqué prière de toucher. Juliette Gréco était venue se faire photographier d'une façon, on va dire aujourd'hui, pas du tout déshabillée, mais à l'époque on considérait scandaleuse. Elle s'était fait photographier dans l'exposition. Il y avait un rideau de pluie qu'il fallait traverser pour rentrer dans d'autres salles. Il y avait un billard sur lequel il y avait des escargots avec des très grosses coquilles sur lesquelles avaient été peints des numéros pour faire un billard au ralenti puisque les escargots traversaient sans cesse ce billard. Il y avait des hôtels au sens religieux, des hôtels, différentes salles. Chaque salle était vouée à un hôtel différent. Donc il y avait un côté terriblement scandaleux, qui a effrayé ma grand-mère, et comme avait dit Giacometti, c'est elle qui a eu le geste le plus surréaliste, parce que pour contrecarrer tous ces éléments terriblement mécréants, voire maltraitant la religion, elle est allée faire chercher un curé pour bénir l'exposition. Et Giacometti a dit, voilà le geste le plus surréaliste que l'on puisse faire, c'est Marguerite qui l'a fait. Et ce qui n'empêche que cette exposition a eu un succès retentissant, également parce qu'elle a été interdite aux mineurs, c'est-à-dire interdite aux moins de 21 ans, et qu'il y avait un policier en permanence à l'entrée de la galerie qui contrôlait les papiers d'identité. Donc tout ça, aujourd'hui on dirait ça fait le buzz, mais... C'est vraiment ça. C'est que d'un seul coup, les intellectuels qui étaient orphelins, les maisons d'édition, toutes les petites maisons d'édition avaient disparu, les galeries avaient disparu, les cercles littéraires avaient quasiment disparu, quoi. Tout était à reconstruire. C'était vraiment une époque tellement mouvementée où les gens cherchaient plutôt comment reconstruire une vie digne, de quoi vivre, de quoi manger, de quoi se loger, que tout ce qui était non matériel ne trouvait pas de lien d'expression. Donc tous ces gens, moi je les appelle vraiment les orphelins, parce que un poète ne peut pas vivre, c'est plus facile pour un poète de ne pas manger que de ne pas avoir son milieu d'amis, de source d'inspiration, de muse, de... Et ce qui fait que quand mon grand-père a fait cette exposition, s'est regroupé autour de lui toute cette communauté qui avait besoin d'un fédérateur. Et là, vraiment, tout ce qui comptait... Alors bien sûr, on peut citer les artistes très connus, Giacometti, Miro, Calder, tout cela ont participé à l'exposition, Bronner, quoi, tant d'autres. Mais il y a aussi tous ceux qu'on connaît moins, les tout jeunes poètes,
qui n'ont pas eu de carrière, mais peu importe, l'échange, ne serait-ce que la parole, l'échange, ce qui est le principe d'un cercle littéraire, l'échange s'est renoué et beaucoup autour de mon grand-père. Donc là, il a, voilà, la galerie, on peut dire, était lancée, pas économiquement, parce que c'était des bides sur les bides. De l'exposition du surréalisme, il n'y avait rien à vendre, par exemple, ce qui rendait ma grand-mère mais folle. Marcel Duchamp a fait un catalogue, la couverture du catalogue. Le catalogue fait plus de 600 pages. Ça a ruiné complètement. Mes grands-parents ont dû vendre la villa de ma grand-mère qu'elle avait à Cannes. Ça a été absolument, absolument chaotique. Mais mon grand-père était vraiment convaincu. Il y a une lettre absolument fantastique de mon grand-père qui m'a été envoyée par la fondation Rouault, Georges Rouault, où il lui écrit au tout début de sa galerie, c'est début 46, donc il vient d'ouvrir, ça fait quelques mois qu'il vient d'ouvrir, et il dit « Cher maître », donc 46, il faut se rendre compte que mon grand-père a 40 ans, c'est encore un jeune homme. « Cher maître, j'ai ouvert une galerie à Paris, c'est la plus importante galerie, donc il est absolument sûr de son fait. Je veux y réunir tous les jeunes talents, mais ces jeunes talents ont besoin de maîtres comme vous pour les aider. » Et alors, je n'ai pas les mots aussi beaux que ceux de mon grand-père, c'est vraiment une merveille, cette lettre est bouleversante, je l'ai toujours sur mon ordinateur, je la relis sans cesse, c'est vraiment... Et il explique dans cette lettre quasiment ce qu'il va faire dans sa vie. Pas « je vais faire un musée » ou « je vais faire une maison d'édition », mais « je vais accompagner les artistes ». J'ai compris que je ne serai pas un artiste moi-même, car je ne serai pas le meilleur, et que mon rôle sera d'accompagner les artistes. Certains grands se sont joints à moi, Georges Braque, Pierre Bonnard, Henri Matisse. « S'il vous plaît, Monsieur Georges Rouault, venez rejoindre cette communauté. » Et il dit d'ailleurs un truc formidable, « je ne suis pas leur patron, je suis un des leurs. » C'est, on comprend exactement, et il dit « je travaillerai nuit et jour, seul, je n'aurai jamais d'associé, je sais que je devrais tracer mon chemin seul. » uniquement avec mon épouse qui est à mes côtés. C'est extraordinaire parce que il sait comment sera gérée sa vie. Et il s'y tiendra. Pas, il ne s'y tiendra pas parce qu'il l'a dit, il s'y tiendra parce que c'est son modèle de vie. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment compris que la finalité de mon grand-père, ça va peut-être vous choquer, ça n'est pas la Fondation MAG. Ça n'est pas les éditions MAG, ça n'est pas de faire des gravures, ça n'est pas... Tout ça, y compris la Fondation MAG, ça n'est qu'un outil. C'est un outil pour porter les artistes auprès du public. Alors cet outil, un jour c'est un catalogue, un jour c'est une exposition dans un musée, un jour c'est une exposition dans sa galerie, un jour c'est d'éditer des cartes postales, une autre fois... de faire une autre galerie à Barcelone, une autre fois de faire la Fondation MAG. Ça n'est pas la finalité. Sa finalité, c'est d'être ce lien extraordinaire entre l'artiste et le grand public. Braque dit une phrase extraordinaire. Il dit « Est-ce que l'artiste a 20 ans d'avance ou le public 20 ans de retard ?» Et moi, je me suis toujours questionnée, à partir du moment où j'ai vraiment eu cette envie de vivre dans ce monde-là, où est-ce que je me situe? Où se situent les MAG? Quand j'avais 15 ans, il y a eu l'exposition avec André Malraux, le grand ami de mon grand-père, sur le musée imaginaire d'André Malraux. Et là, bon, bien sûr, il y avait... les sculptures khmères, avec les statues égyptiennes, avec les Rembrandts fabuleux, avec les vitraux, avec les projets de vitraux, avec les plus beaux Cranach, avec
l'art contemporain, c'était le musée imaginaire d'André Malraux, la seule fois où il a été monté. Et j'ai vu le grand tableau du douanier Rousseau, La Jungle, qui est maintenant à la Fondation Beyeler en Suisse. Moi qui grandis avec des œuvres d'art toujours sur mes murs, quand j'étais petite, un jour j'écris une lettre à Monsieur Braque, je demande à ma sœur Flo, donc j'ai 5 ans, comment s'écrit Braque, elle me dit, regarde. Et du coup je lui écris, cher Monsieur Braque, parce qu'évidemment je prends la signature entière, G. Braque. Donc j'ai grandi vraiment avec ça. Et bien là, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que ce tableau? C'était magique pour moi. Et là, je suis allée voir mon grand-père et je lui ai dit, mais toi qui n'es pas peintre, comment tu vas jusqu'à exposer ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la famille Mag? Et c'est à ce moment-là seulement que je lui ai demandé. Et vraiment, c'est ça. Et quand je parle de cette distance que Braque expliquait entre le public et l'artiste, eh bien, moi, je n'ai pas le droit de dire que je suis dans le grand public. Je n'ai pas le droit parce que j'ai grandi dans le monde de l'art, donc je suis peut-être pas experte, mais en tout cas initiée. Je n'ai pas le droit de dire non plus que je suis avec les artistes. Je ne suis pas créateur, je ne suis pas novateur, je n'ai pas cette invention et je n'ai pas cette analyse et cette projection du futur qu'ont les artistes. Donc je suis quelque part entre les deux. Ben, quel est mon rôle et quel était le rôle de mon grand-père? C'est d'aller chercher le public et de l'amener au plus près de l'artiste puisque lui, il a la chance d'en connaître un peu plus, mais sans les décourager. C'est pour ça que la Fondation, c'est une merveille, parce que les supra-experts, les supra-initiés qui connaissent tout d'un artiste, ils vont à la Fondation, ils vont découvrir autre chose. Pas un nouveau tableau, une nouvelle sculpture qu'ils ne connaissent pas seulement. Une idée, une confrontation, une juxtaposition avec une autre œuvre, avec le soleil, avec la nature, on ne sait pas, mais quelque chose d'autre. Et les novices, ceux qui souvent ne sont jamais entrés dans un musée, quand ils viennent à la Fondation, ils ne se sentent pas écrasés, ils voient les mêmes œuvres que les experts. Ils ne se sentent pas ignorant. Il y a une sorte de douceur à la Fondation qui est vraiment ce que voulait mon grand-père, de séduire les novices. Alors voilà l'esprit de mon grand-père et voilà ce que j'espère il m'a confié, il m'a transmis, plus qu'une collection, c'est même pas un savoir. M'a transmis un ressenti. Et évidemment, avec tous les autres artistes, Miro, qui était comme mon tonton préféré, mon chouchou, je lui collais au basque sans cesse, mais il m'a dit des choses qui ont changé ma vie. Et pourtant, j'avais peut-être 7 ans, 9 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, j'espère avoir gardé la même fraîcheur de regard, c'est-à-dire être émerveillée encore, et je le suis encore, que ce soit dans des expositions, que ce soit dans des salons, que ce soit dans des foires internationales, que ce soit chez des gens, que dans des ateliers, j'ai encore le possible émerveillement. Mais aussi cette envie de que les autres aussi aient cette chance. Je peux pas. Je suis très égoïste en tant que amateur d'art, c'est-à-dire que j'aime les choses pour moi, je considère qu'elles m'appartiennent. C'est pour ça que j'aime tellement les musées nationaux, parce que vous pouvez aller au Centre Pompidou qui ferme à 10h le soir, voir un tableau, et ce tableau, il vous appartient, puisque vous pouvez y aller sans. Librement. La tour Eiffel nous appartient, on peut y grimper quand on veut, on la voit tous les jours, mais je suis très égoïste dans mes choix, c'est-à-dire que ce qui m'appartient dans ma tête, c'est à moi,
j'ai pas à partager la globalité de mes choix. En revanche, j'aime donner aux autres cette envie de trouver, de découvrir, de confirmer ce qu'on connaît déjà. Et ça, je crois vraiment que c'est l'esprit de mon grand-père. Des collectionneurs, il y en a toujours eu. Je ne parle pas jusqu'à François Ier ou les grandes églises, mais on se rend compte, quand il y a eu la Révolution russe, par exemple, les grandes collections contemporaines ont été saisies, et on se rend compte que dedans, il y avait des tableaux extrêmement récents, et pas d'artistes locaux, d'artistes français, d'artistes anglais, d'artistes... Il n'y avait pas encore les Américains. Il y a des Picasso en Russie, il y a des Matisse en Russie, il y a des Bonnard en Russie, y compris des grands collectionneurs qui faisaient faire spécifiquement par des... Alors, Matisse a été un jeune artiste à un moment, évidemment, on a du mal à se le dire, mais Matisse était clerc de notaire, il a touché son premier crayon, il avait 20 et quelques années, donc les œuvres du début, c'était un tout jeune artiste. Et bien néanmoins, il y a des collectionneurs qui ont su tout de suite aller vers ces artistes-là, vraiment par sensibilité, par passion pure. Aujourd'hui, collectionner apporte évidemment un rang social plus affirmé, parce que non seulement vous montrez ce que vous êtes avec les choix que vous avez sur vos murs, quand vous avez déjà les choses sur vos murs, il y a aussi des grandes collections qui se constituent sans en jouir tous les jours, ou qui font des musées, ou qui collectionnent pour collectionner. Mais également, quand vous avez des artistes qui sont reconnaissables, ça vous donne aussi un rang social, on va dire d'aisance sociale, parce que tout le monde sait un petit peu aujourd'hui le prix des œuvres d'art, et si on rentre chez une personne et qu'on voit, même si je cite que des artistes contemporains, un Damien Hirst, un Jeff Koons, un Soulages et un Alechinsky et un Tapiès, on pense automatiquement que c'est quelqu'un qui a des moyens financiers importants, parce qu'on sait, il y a des articles qui paraissent quand même sans cesse sur les résultats des ventes aux enchères, sur le prix des œuvres d'art. Donc ça vous donne un rang intellectuel, social, intellectuel, mais aussi financier. Mais personne n'est perdant. Le monde de l'art est gagnant, les artistes sont gagnants. Peu importe de savoir pourquoi les gens collectionnent les choses, l'important c'est qu'elles sortent de l'atelier. Ça, mon grand-père me l'avait expliqué, alors là, très très clairement, il m'avait dit, tu sais, j'ai fait monter plusieurs fois, je crois trois fois au total, des sculptures de Giacometti en pied de lampe pour des collectionneurs. Alors, qui est gagnant? Malgré tout, Giacometti, parce que s'il n'avait pas eu des collectionneurs qui achetaient ses œuvres, il n'aurait pas eu de quoi produire d'autres œuvres. De même que mon grand-père m'avait dit, si j'avais dû vendre tous les Chagall, je ne sais pas, plus de 1000 œuvres de Chagall sont passées entre les mains de mon grand-père, en tant que tableau, gravure, c'est des milliers et des milliers. Si j'avais dû vendre tous les Chagall à des passionnés d'art, Chagall n'aurait pas produit ce qu'il a produit, il ne serait pas devenu un artiste qui a pu exploiter son talent sur toutes sortes d'inventions. Il dit évidemment que Chagall a été acheté par la communauté juive principalement au début, mais tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce que Fra Angelico est un artiste important parce qu'il a été exclusivement commandé par l'Église? La motivation aujourd'hui, elle s'efface face au chef-d'œuvre. Donc la différence peut-être entre maintenant et ce qu'il y avait avant mon grand-père, c'est que il n'y avait pas de grands marchands. Canveller, c'était différent parce qu'il était le marchand exclusivement de Picasso, donc c'était encore autre chose. Il n'y avait pas de grands marchands
qui soutenait les artistes dans tout ce qu'ils faisaient. Ambroise Vollard était un immense éditeur marchand formidable, qui est mort beaucoup trop jeune. Mais mon grand-père, ce qu'il a compris, c'est que peu importe ce qu'il se passait dans sa galerie, l'important, c'est ce qu'il se passait avec l'artiste. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que, grâce à mon grand-père et ses amitiés avec André Malraux particulièrement, vous avez le plafond du Louvre fait par Georges Braque. On n'imagine pas aujourd'hui le scandale que ça aurait pu représenter et que ça a représenté. Parce que c'est quand même dans un plafond classé, ultra classé, fantastique du Louvre, où Braque est venu se glisser. Je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on dirait un artiste contemporain, vous peignez un plafond de Versailles, quand on voit déjà les expositions temporaires où les œuvres repartent après la polémique que ça lance sur Versailles, vous imaginez si on donnait un plafond à peindre à un artiste contemporain. Donc mon grand-père a su, grâce justement à ça, d'abord c'est un homme extrêmement élégant, extrêmement cultivé, extrêmement habile également dans ses relations, parce que tout ça devait lui servir, c'est toujours pareil, il devait servir les artistes. Il est évidemment à l'initiative du plafond de Chagall à l'Opéra Garnier, qui est vraiment un chef-d'œuvre de Chagall. Vous vous rendez compte la chance que l'on a en France d'avoir des réalisations aussi démentes. Le très 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 grand Calder à la Défense et l'immense sculpture de Miro à la Défense, c'est évidemment parce que mon grand-père a fait ce lien entre politique, urbaniste, artiste. Donc pour lui, peu importe si ça se passait dans sa galerie ou à l'extérieur, c'est ça qui diffère des autres marchands avant lui. L'important, c'était la promotion, on va dire comme ça, de l'artiste. Car évidemment, quand vous avez définitivement un plafond du Louvre peint par Braque, c'est une promotion mais mondiale. Donc l'activité de la galerie, quelque part, en bénéficiait. Donc c'est ça qu'il a eu comme idée, c'était de dire, moi je soutiens les artistes partout, il faut financer quelque chose, je finance, même si c'est pas à vendre. Plafond de Chagall, il a financé une partie, pour la Défense également, pour les grandes mosaïques et céramiques de Miro à Barcelone, que ce soit à l'aéroport ou que ce soit sur les Ramblas, évidemment il est intervenu. Donc c'était ça mon grand-père. C'est un mécène vraiment au sens des Médicis, c'est-à-dire c'est un mécène qui fait la promotion des artistes. Bien sûr qu'après il a fait sa fortune avec ça, je vous ai expliqué, il était orphelin de la Première Guerre mondiale et il est devenu cet immense marchand, collectionneur, bâtisseur. Enfin, grâce à ça, il a financé la Fondation MAG, qui n'aurait jamais vu le jour si elle avait dû être faite par l'État. Alors, bien sûr que mon grand-père faisait un choix, et je dirais même un choix drastique. Alors, ce choix, il s'opérait... D'abord, il était curieux de tout. Mon grand-père, il lisait toute la presse. Il se faisait envoyer, dès que ça a été techniquement possible, des photos, des enregistrements, des vidéos, de tout ce qui se passait sur la planète. Il a voyagé, il est allé avec Miro au Japon, il est allé aux États-Unis, il est allé en Russie, il est allé partout, mon grand-père, en Espagne évidemment beaucoup. Et toute création l'intéressait, mais toute création ne l'intéressait pas à exposer automatiquement ou à défendre. D'abord, si on se rend compte, mon grand-père n'a défendu que des individualités. On ne peut pas dire c'est la galerie de l'art cinétique ou de la sculpture ou des fauves ou des cubistes ou de la figuration narrative. Ça ne l'intéressait pas du tout. Et même il fuyait les mouvements. Exposer la même année, en exposition qui se suivent quasiment tous les mois, Chagall, suivi de Kelly, suivi de... Adami, suivi de Miro, suivi de Chilida,
suivi de Giacometti, on voit bien que il ne se disait pas voilà la ligne de la sculpture, voilà la vérité dans la sculpture, mais que l'histoire de l'art est composée de toutes ces expressions-là. Alors j'ai tendance aussi à dire une chose, c'est que très souvent, par exemple quand il y a eu la vente extraordinaire ou incroyable, ou peu importe, de L'homme qui marche de Giacometti en 2010, qui a été la première sculpture à dépasser 100 millions de dollars, dans la salle, moi j'étais allée à Londres, je me suis d'abord rendu compte que j'étais la seule qui avait connu Giacometti. Des centaines de personnes, tout Sotheby's était full up de collectionneurs, marchands, critiques d'art, journalistes, tout ce que vous voulez. D'un seul coup, je me suis dit, tiens, je suis vraiment la seule à l'avoir connu, même si j'étais enfant. Et puis un journaliste m'a posé une question, il m'a dit, qu'est-ce que ça vous fait cette vente à 100 millions de dollars? J'ai dit, c'est juste le marché qui confirme les choix de mon grand-père. C'est juste, moi la première chose à laquelle je pense, et je vous assure j'étais émue aux larmes, c'est de dire, bravo papy, moi je savais que tu t'étais pas gouré, toi tu savais que tu ne t'étais pas gouré, mais maintenant tout le monde sait que tu ne t'étais pas gouré. C'est ça qui est important. Et mon grand-père, il a choisi, Giacometti c'est très très intéressant, parce que quand il décide de faire une exposition de Giacometti, Giacometti avait dit de lui, c'est un fou, il veut faire fondre tous les bronzes d'avance. Giacometti lui dit, si j'expose, vous n'exposerez plus jamais Germaine Richier. Alors que mon grand-père a déjà fait une exposition de Germaine Richier, et que c'est une artiste montante, extraordinaire, que mon grand-père aime beaucoup. Mon grand-père, qui n'a jamais exposé Giacometti, arrête avec Germaine Richier pour se consacrer à Giacometti. C'est-à-dire qu'il fait un choix. Il abandonne ce qui déjà marche un peu pour Giacometti qui ne marche pas du tout. Alors là, qui a été four, sur bite, sur four, sur échec. Pourquoi? Il ne pouvait pas faire autrement. Il le ressentait, il ne pouvait pas le faire autrement. Donc bien sûr qu'il faisait un choix. Ce choix était souvent inexplicable. Reste inexpliqué. En tout cas, ce n'était pas un choix d'intérêt, en tout cas d'intérêt matériel. Il ne pouvait pas faire autrement. Et c'était très, très, très pensé chez mon grand-père. C'était très choisi, c'était très stratégique. Stratégique pas au sens de « avec ça, je vais réussir » ou « il voulait réussir hein. ». Sa seule ambition, c'était de réussir, parce que sa seule ambition, c'était que ce qu'il avait choisi soit reconnu. Et il n'était pas particulièrement tendre avec les artistes. Ils avaient des rapports très francs, il n'était pas mièvre. J'ai une phrase que j'aime bien, qui souvent mes amis disent « Ah, quand même, ton grand-père, il a cru en Calder avant tout le monde, il a cru en Chilida avant tout le monde, il a cru en Tapiès avant tout le monde, il a cru en Giacometti avant tout le monde. » Et un jour, j'ai répondu, « Mais est-ce que par hasard, c'est pas ces artistes qui ont cru en mon grand-père ? Parce que, est-ce que c'est seulement mon grand-père qui a choisi les artistes ? Ou est-ce que ce ne sont pas les artistes qui ont choisi aussi mon grand-père ? Parce qu'il fallait... c'est un très grand engagement pour un artiste de rentrer dans une galerie. Aujourd'hui, c'est un peu dévoyé parce qu'on pense rentrer dans une galerie, c'est accrocher des œuvres, c'est montrer ses œuvres, sculptures, photos, vidéos, peintures, peu importe, et les commercialiser. Mais ce n'est pas ça. C'est accompagner un artiste dans son quotidien, dans sa création, lui permettre d'aller plus loin. Aki Kuroda, le tableau que j'ai derrière moi, ça fait 30 ans qu'on est inséparables. Mais pas inséparables par... on n'est pas copains, même s'il est mon témoin de mariage, même si on est extrêmement liés. Mais parce qu'on a une envie ensemble. Moi, je peux porter son œuvre au public. Vous vous rendez compte, là, le bonheur, oui, qui est même de la joie,
quand j'ai fait une exposition d'Aki Kuroda, donc un japonais, au musée de la Cité Interdite, c'est-à-dire au centre de ce que les Chinois sont les plus respectueux de leur histoire, et donc anti-nippone par essence. Vous vous rendez compte, mais ça vaut tout l'or du monde. Faire une exposition, et une exposition qui a du succès, où les jeunes se précipitent, où la presse des jeunes cosmopolitanes, Vogue chinoise, tout ça, la presse étudiante a vanté les mérites de cette exposition. Voilà, c'est ça mon rôle. Donc, vous ne pouvez pas le faire avec tout le monde. C'est très très difficile de s'entendre avec un artiste pour acheter et revendre des tableaux. C'est très facile de s'entendre. Ça, c'est pas compliqué. Mais accompagner un artiste dans ses créations, le conseiller pour faire le livre qui garde toute l'essence, toute la créativité, tout l'esprit de l'artiste, mais en même temps qui puisse être un outil pas trop rébarbatif pour les gens. Voilà, c'est ça mon rôle aujourd'hui, mais c'était celui de mon grand-père. Et donc, il choisissait. Une fois qu'il avait choisi, c'était presque comme un mariage, et ça durait des années. Mon grand-père s'est séparé de ses artistes, soit par la mort des artistes, soit par sa mort, à lui. Il n'y en a quasiment pas qui se sont séparés de mon grand-père. Donc, mais il n'était pas facile, c'était des rapports de... c'était des rapports d'un esprit fort face à un esprit fort. Et c'était pas l'un devait gagner sur l'autre. Ensemble, ils devaient faire un projet fort. C'est quelle est la personnalité plus que l'exécutant. Bon, il faut que l'exécutant soit en plus à la hauteur de son esprit. Vous prenez Chagall, vous lui coupez les mains, ça reste un créateur. Il aurait de toute façon inventé, créé. Donc un artiste, c'est... Alors, je vais plutôt vous donner ma définition, parce que ça, je n'ai pas la définition de mon grand-père, je ne me permettrai pas d'avoir la définition pour mon grand-père. Je pense qu'on ne doit pas être très très loin. Pour moi, un artiste, c'est une personne, une personnalité, qui a observé le passé, l'a même absorbé, regarde le présent, connaît le présent, connaît sa civilisation, connaît les autres civilisations, a une vision réelle des choses. Et de ça, il est capable d'en projeter une vision future. C'est pour ça que justement l'artiste a toujours une vingtaine d'années d'avance. Et qu'on n'est pas obligé de comprendre ce que fait un artiste. Parce que si on comprend ce qu'il fait, pourquoi on ne le fait pas nous-mêmes ? C'est bien parce qu'ils ont une avance sur nous. Et d'ailleurs, on se rend compte que très souvent, avec les artistes, on est très attiré par les tableaux récents. Je prends les tableaux, mais ça peut être les œuvres récentes, peu importe, même les photos, les vidéos, quoi que ce soit. Mais que quand même, celles auxquelles on a accès et celles que l'on comprend, c'est en général celles qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils nous ont montré maintenant nous explique, justement, nous montre, on comprend. Et parce que la société a avancé, parce que vous êtes allé voir un film de Truffaut en plus, parce que vous êtes allé voir un dessin animé, parce que vous êtes allé voir un défilé de mode, parce que vous avez lu un nouveau bouquin, parce que vous absorbez cette nouvelle culture, eh bien, je considère l'œuvre d'un artiste vraiment créateur, c'est clair à vous. Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas de l'érudition. C'est pas, il ne faut pas être dans une bibliothèque à lire toute la journée. Il faut être dans la vie, parce qu'une nouvelle voiture a cette forme, parce qu'un bateau va développer une nouvelle technologie, parce qu'on fait les films en 3D maintenant. Si vous absorbez tout ça, vous vous rendrez compte que la lecture d'une œuvre d'art est plus facile pour vous.
Donc un artiste, c'est ça. C'est celui qui, avant qu'on puisse même y avoir accès, avant qu'on puisse comprendre, avant qu'on puisse lire, crée instinctivement, affectivement, une œuvre avant même qu'on puisse en avoir les clés. C'est vraiment un créateur, c'est vraiment celui qui projette l'époque, quelque support que ce soit. Moi je dis toujours, oui. Moi je suis incapable de dire si, à Kikuroda par exemple, je suis incapable de dire si c'est un peintre, ou si c'est un sculpteur, ou si c'est un vidéaste, ou si c'est un performeur, ou si c'est un homme incroyable de Paris qui connaît toute la société intellectuelle, culturelle, tout ce que l'on veut, qui est un passionné des femmes, qui est un passionné de la rue. Je ne peux pas vous dire. Aki Kuroda, il est Aki Kuroda. Et moi, c'est vraiment ça, un artiste pour moi. Et je pense que mon grand-père, c'était pareil. Et c'est pour ça qu'il a défendu de telles individualités. Avoir la même table, comme on a des photos, Giacometti et Calder, quand on voit leur sculpture, il faut vraiment croire dans les hommes, plus que dans leur sculpture, plus que dans leur expression. C'est de dire, ces deux-là, ils sont en train d'inventer le monde, avec deux lignes différentes, avec deux voies différentes, et on se rend compte, avec le temps qui passe, que les deux rentrent dans l'histoire de l'art, et que les deux sont indissociables de l'histoire de l'art. Donc les deux sont nécessaires à l'histoire de l'art. C'est ça, un artiste. C'est pas un artisan, c'est pas quelqu'un qui fabrique une œuvre d'art, c'est quelqu'un qui conçoit une œuvre d'art. C'est vraiment le mot quand même pour Aimé Mag, c'est le mot passion. Passion pour les arts, passion, mais passion pour les gens bien sûr. Et ce qui liait Marguerite, ma grand-mère, et Aimé, mon grand-père, c'était la passion. La passion l'un de l'autre, pas la passion seulement pour les mêmes choses, la passion l'un de l'autre. Ils étaient, c'était drôle parce que mon grand-père était devenu un peu méditerranéen, donc il prenait des coups de sang absolument terribles. Ma grand-mère, elle était totalement méditerranéenne, donc ça criait souvent dans la maison. Mais elle avait, vous savez, sans elle, il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit dans des interviews, il n'aurait rien fait. La Fondation Marguerite Aimé Mag, il voulait qu'elle soit en premier. Que ce soit bien Fondation Marguerite Aimé Mag. Pourquoi ? Parce que quand vous marchez sur un fil, c'est quand même être équilibriste ce qu'a fait mon grand-père. Chaque chose pouvait entraîner un échec qui arrêtait tout. Vous avez besoin, c'est pas de la terre ferme en bas, mais d'un balancier. Vous avez besoin de votre grande tige comme ça qui vous fait tenir l'équilibre. Bah, c'était ça ma grand-mère. Soit parce qu'elle contestait ce qu'il disait, ce qu'il adorait parce que ça lui permettait d'aller plus loin et de discuter, soit parce qu'elle finançait, soit parce qu'elle... Et puis elle avait un rapport avec les artistes merveilleux. Elle avait une douceur incroyable avec les artistes, elle les accueillait, elle faisait ses dîners sans arrêt, ses déjeuners sans arrêt, sa table était quand même toujours ouverte pour les poètes, les écrivains, les artistes, même si elle disait toujours à mon grand-père, Aimé, arrête, elle respectait un peu tout le temps, mais elle avait ce lien chaleureux avec eux, elle était un peu le lien de la communauté, elle dédramatisait les choses. Et puis elle avait, elle contestait toujours ce que faisait mon grand-père, mais elle le contestait qu'à lui. Elle n'a jamais porté un seul jugement à l'extérieur de la maison. Elle n'a jamais dit « je ne suis pas d'accord avec cette expo ». Qu'à lui, elle lui dise « t'es complètement dingue, c'est n'importe quoi », c'est évidemment, mais c'était son rôle. Par contre, vis-à-vis de l'extérieur, et pas en se forçant,
Elle était convaincue. Elle adhérait à tout ce que faisait mon grand-père. Il y avait discussion entre eux, mais une fois que les choses étaient lancées, elle était le soutien, elle était la garantie. Ce qui d'ailleurs rassurait les gens. Parce que tout le monde savait que mon grand-père était créatif, flamboyant, et parfois excessif. Si elle, elle adhérait, c'était très rassurant pour les gens. Que ce soit alors les collectionneurs, les banques, les architectes, les politiques ou je ne sais trop quoi. C'était rassurant d'avoir une femme qui quand même, au bout de 3 minutes, on comprenait que ma grand-mère avait la tête sur les épaules. Donc, elle était cette sorte d'équilibre nécessaire, mais pas, c'est pas un joli mot, mais c'est quand même ça, pas béni oui, pas tout ce que tu fais, j'adore parce que je t'adore. Non, parce que je t'adore, je te dis ce qui va pas, parce que je t'adore, je te dis que c'est des conneries, parce que je t'adore, t'es complètement dingue, parce que je t'adore.